Et épisode 19 en fait. Donc la série va me prendre peut-être. Il reste encore peut-être deux épisodes. Ouais, attendez, que je dise pas de bêtises. Ok, allez, hop. Vous contrôlez l'émetteur? C'est incroyable. Je fais au plus vite. Tenez bon. Faites vite. Si la population se soulève, les sections alpha vont sûrement tenter de fuir. R8 et 9. R8 C9. Et on valide. Jeanne, ça va pas fort. Il te resterait pas un Starkos? Nope. Ouais, mais bon, j'ai rentré le code, mais... Attendez. R8, C9. C'est pas ça, en fait. R8, C6. Autant pour moi. Alignement émetteur. Pointage objectif. Ok, entrée data. C'est à toi de jouer maintenant, Jade. Ok. Données étrangères. Système protégé, accès interdit. Verrouillage. 10. Ils vont bloquer les contrôles. 9. 8. Ah, ne t'inquiète pas, Yad, il m'en coupe de tout. 6. Amigo, 5. Secondo è l'unico va vous montrer 4, qui est le best of the best 3, ici. 2. 1. Système bloqué. Ah, bravo, El Unico. Le roi des saligots, ouais. L'empereur des crétins. Le peuple des abrutis. Le grand architecte de mes... Qui me casse les oreilles. Regarde. Ouverture de session en cours. Bonjour, Général Secundo. À votre service. Ciao, Bella. J'ai un ami qui souhaite diffuser un petit reportage. Tu me prépares un alignement sur la 21-3 Mazzoli. Tu es toujours aussi belle, hein? À vos ordres, Général. Data chargée. Diffusée. C'est craquant, Général. Normal. Assez! Unissons nos forces! Amigos, señores, señoras et bien sûr, señoritas! Ouvrez bien grand vos yeux, vos oreilles, tutti quanti! Je ne vais pas vous dire des palabras, des mensonges et des choses à rallonge. Je vais juste vous montrer la vérité, eh? Las secciones alfa sont des bandits, des bandidos! Des imposteurs, des rascals, des serpents honnêtes. Regardez les photos que nous avons prises. Les sections alpha sont les complices des forces d'Homs. Ce sont les sections alpha qui enlèvent les citoyens d'Ilis et les livres d'Homs. Une fois sur la Lune, les victimes sont vidées de leur énergie et meurent. Depuis le début, on a été trompés et manipulés. N'écoutons plus les mensonges des sections Alpha. Ouh, dehors, les sections Alpha! Les enfants sont encore dans la base d'Homs. Il faut retourner là-bas. Mais pour le moment,
Il vaut mieux évacuer le secteur. Bonne stratégie, soldat, mais un peu tardive. Adieu. Procédure d'autodestruction enclenchée. Ok, et c'est reparti pour de l'action. Et devinez qui a oublié d'enclencher son chrono. Donc après cette petite séance de course, là, ce petit parcours, poussez-vous. Comment je checkerai le temps. Un poil trop long là. Ils veulent nous enfermer. Au vaisseau, vite. Ouais, donc l'autre il n'a plus qu'un moqueur. Le peuple illien s'est soulevé pour chasser les sections Alpha hors d'Ilys. Une fois encore, la grande famille du journalisme a su montrer qu'elle avait un rôle essentiel à jouer dans l'histoire. Voilà, je mets en pause, je check le temps. Et j'ai oublié de mettre en pause, je vais encore bugger, et zut. Bon. Ok, donc j'ai relancé le jeu, j'ai refait la partie... je me suis retapé tout le charabia, le soulèvement d'Ilys. Parce que le jeu avait planté, parce que j'ai mal mis le jeu en pause en fait. Et donc on était à 6 minutes de vidéo, donc je viens de lancer le chrono à 15 minutes. Et puis ben on va continuer. Donc là c'est une petite phase un petit peu de shoot'em up. Bon là je me concentre hein, donc je parle pas des masses mais... Mais voilà. Hop. Et galère. Ah c'est nous one shot ce truc là. Bon on recommence. Thank you.
Je vous dis, je suis concentré. Hein. Plus centré que con, mais... Oui. Non, oh, c'est pas vrai. Un troisième, voilà. J'essaie vraiment de les avoir 3 par 3 pour que ce soit le plus facile possible. Vous les avez sérieusement touchés. Continuez, Manu. Ah bon, en plus c'était la dernière étape. Gardez le rayon traiteur enclenché. Il faut larguer l'Overcraft si on veut aller éteindre le rayon tracteur. La vérité enfin révélée par le réseau. Oui, bah on l'a déjà lu ça. Il faut entrer à l'intérieur de l'araignée si on veut éteindre le rayon tracteur. Ouais, alors attendez, hop, on va. Ah, on est bloqué par le rayon tracteur. Galère. Oh, je galère avec le... Voilà. C'est ça que je voulais. On peut accoster directement, mademoiselle Jade. Oh, d'accord, je comprenais pas pourquoi... Bon, 7 minutes et c'est une des parties les plus shortes du jeu. J'ai rage-quitte dessus aussi la première fois que je l'ai fait. J'espère que ce coup-ci, ça ira. Je vais quand même donner à Paige voilà, comme ça, il va pouvoir quand même se régénérer, mais bon. Eh, quel con. Allez, c'est parti. Oh, quel con, trop tard. Ouais, j'en ai eu un.
Je l'ai vu. Allez, dernier. Ouais, attendez, parce que je vais voir celui-là. Non, tant pis. Bon, apparemment il a le focus sur... Voilà. Mademoiselle Jacques. Qu'est-ce que tu espères, Tous les tiens sont déjà morts. Ta mère et ton père. Le porc et les gamins. Nous avons payé leur fluide pour prolonger nos vies. Ils te cherchent. Il est sur ta trace depuis des siècles. Tu mourras, toi aussi. Et tombent les anges de l'enfer. Il faut retourner dans la base. Tous les prisonniers sont encore dedans. Ok. Bon, donc là, moi, je sais que je suis beaucoup plus confortable que lors de ma première partie où j'ai galéré à fond pour le dernier boss. On va encore avoir une petite phase de shoot them up et... Donc on va sauvegarder. Ouais, faites attention, l'électricité, ça électrocute. Bon, voilà, et puis on est parti. Oh le con. Et le beluga est là-bas. Aire d'atterrissage, repéré droit devant. Attention, ils envoient la garde rapprochée. Bon alors ça, alors elle, comment, la phase de shoot them up là, elle est assez sympa. Je la trouve assez sympa. Mais j'aurais aimé qu'elle dure un peu plus longtemps parce qu'elle va pas durer énormément longtemps. Voilà. Suffit d'en détruire, je sais pas, peut-être une dizaine. Et après, voilà quoi, c'est, il y a le, les secours qui arrivent. Et on n'a plus qu'à aller se poser. Si j'arrive à trouver où se poser. Ok. Allez-vous poser sur l'aire d'atterrissage. D'accord, c'est parce que je m'étais trop éloigné. D'accord, je passe à travers, normal. Là, un ascenseur triple. Tout le monde en position. Hop. Juste rapidement. Bon, boss final, il reste 2 minutes, alors on va l'essayer une fois. Mais franchement, je le sens mal. Enfin, tu viens à moi. Tu as bien servi ton maître, Shoni. Grâce à toi, les Iliens sont venus à moi, aveuglément. Jad ? Non, je crois qu'on va arrêter juste avant. Le
Jeanne. Ne l'écoute pas. Tu es la source de mes pouvoirs. Ils t'ont enlevé en espérant me détruire. Mais j'ai survécu, me nourrissant de ridicule poussière de vie. Ils t'ont rendu humaine, mais tu n'es pas comme eux. Tu es à moi, Shoni, et je vais tuer le peu d'humain que tu as en toi. Jeanne. Hop, et nous allons nous arrêter là, petit suspense, donc pour le boss final. Parce que je sens de toute façon qu'il va m'énerver. Donc voilà, je m'arrête ici pour l'épisode 19. C'est ça, c'est le 19. Et bah, je vous dis rendez-vous à l'épisode 20, donc pour péter la gueule à cet enfoiré. Voilà. Et à tout de suite.